Salut, salut! Aujourd'hui, je voulais vous parler de permaculture, et notamment de permaculture dans les Vosges. C'est vrai qu'on trouve aujourd'hui pas mal de vidéos intéressantes sur le sujet, notamment avec celle de Romain Decarce, de la micro-ferme du Bec-et-Loin. Enfin, y a beaucoup de choses intéressantes sur le sujet qu'on peut trouver maintenant sur Internet. Mais toutes ces personnes qui ont essayé cette technique habitent soit dans le sud ou alors dans l'ouest. Alors moi l'idée c'était de tester un petit peu cette méthode de culture et de voir si ça pouvait s'appliquer ici dans les Vosges. Sachant que dans les Vosges, le climat il est assez particulier puisqu'on peut avoir 35 degrés pendant plusieurs semaines ou alors avoir plusieurs semaines de pluie. Et vous verrez que cette saison ça n'a pas manqué d'être le cas. Donc voilà, moi je vous ai préparé. Enfin, l'idée c'est de faire une petite vidéo qui retrace toute la saison au potager. Et puis voilà, en ayant appliqué quelques principes de la permaculture, puisque la permaculture c'est quelque chose d'un peu plus général, qui touche même l'habitation, etc. Enfin, moi j'ai utilisé quelques principes de la permaculture, à savoir le peu de travail du sol, avec le plus gros outil utilisé qui est la grelinette, le paillage systématique du sol pour le protéger du soleil, de la pluie, et puis la culture étagée. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Bon, allez, assez discuté, je vais vous présenter le potager. Et puis juste avant d'y aller, je vous montre au passage ces superbes fleurs, puisque la permaculture n'exclut pas de planter quelques belles petites fleurs. Et en ce moment, c'est la saison des lys. Alors, vous n'avez pas le parfum en prime, elles sentent vraiment très bon. Et puis, on peut voir aussi quelques tournesols sympathiques. Alors, ça, c'est des tournesols rouges. Et ils font pas loin de 3 mètres, 3 mètres 50, je pense. Allez, c'est parti, on passe au potager. Alors je vous montre d'abord une partie qui est toute récente, qui a été faite que cette année, où là on a un paillage principalement de paille, avec mélange avec un peu d'herbe de gazon. Alors il ressemble plus à grand chose que les poules viennent allègrement gratter là-dedans. Voilà, on y trouve des courges, la pomme de terre un petit peu à côté. Ici, il y a deux ou trois pieds de courge, la courge bleue de Hongrie, du potimarron et puis de la courge pomme d'or. Alors, c'est des semences, on va dire non hybrides, parce que le but c'est quand même d'arriver à une espèce d'autosuffisance alimentaire où on récupère les graines pour les ressemer, puisque vous savez bien que maintenant les graines hybridées du commerce ne peuvent pas se ressemer. J'ai mis, on les voit plus trop, mais il y a des pieds de tomates que j'ai semés. Alors c'est de la marmande et puis de la tomate cœur de bœuf. Il y avait aussi au pied quelques œillets d'Inde qui sont complètement devenus invisibles maintenant, ils sont enfuis sous la végétation. Alors ici j'ai utilisé un compost 28 jours qui était super bien expliqué sur la vidéo de Romain Decrasse. Donc avec une alternance de gazon, de fumier frais. Enfin, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui est vraiment super intéressante. Donc on y voit là, il y a encore un beau chou, un chou de Milan. Quelques petits poireaux. Et puis les premières courges aux pommes d'or qui poussent tranquillement. Alors là, juste pour information, on est le 5 juillet et tout ça a été planté assez tardivement, je dirais vers le 10 mai, puisque dans les Vosges, les saints de glace c'est quand même un juge de paix et vaut mieux s'y tenir. Je pense que dans l'ouest ou dans le sud, on s'y fie pas trop. En tout cas ici, début mai, il y a encore fait moins 6, moins 7, et tous ceux qui s'étaient un peu précipités,
Eh ben, ils ont vu tous leurs pieds disparaître. On va faire un petit tour maintenant dans la serre. Alors, c'est une petite serre, hein. Pas professionnelle. Je suis juste un jardinier qui essaye de manger les légumes de son jardin. Donc, c'est une petite serre qui doit faire, je sais pas, 7-8 mètres carrés, avec principalement de la tomate et du concombre. On va faire un petit tour. Voilà, tomate cerise à droite. Ici, on voit les premières tomates. Alors, ça, c'est de la marmande. Au sol, hein, on voit bien une bonne couche de paille. Ça permet de garder l'humidité. Ouais, on a même une petite copie de limace là, qui se trimballe. Ici, c'est des petites tomates, des tomates poires jaunes. Se forment aussi tranquillement. Bon, là, il va falloir un petit peu rattacher tout ça. C'est tombé cette nuit, apparemment. Ici, il y a de la jolie cœur de bœuf qui se forme aussi tranquillement. On voit bien, c'est humide, hein. Ça c'est pas terrible là, parce que c'est en fin de saison. Ça donne souvent le mildiou, là, cette humidité contre les vitres et les feuilles qui touchent. En général, c'est pas terrible ça. Alors, ici, c'est un pied de concombre de serre. Alors, je pense pas qu'il y en a encore dessus. J'en ai pas mal pris. Ça pousse très très bien et ça pousse très vite ça. Voilà, puis ici, un petit pied de menthe là qui a réussi à se faufiler sous la serre et qui pousse maintenant à l'intérieur. Voilà, donc les pieds sont assez hauts. Je les ai semés en mars à l'intérieur, replantés mi-mai. Voilà, ça... La récolte n'est encore pas pour maintenant. Je pense que ça sera pas avant fin juillet, début août, à mon avis. Alors, on se dirige maintenant vers la partie principale du potager. Où là, donc, je vous montre, hein, j'ai fait ça en trois planches. Une planche de carottes pour commencer. Donc l'association classique, hein, carotte radis. Comme ça, qui permet d'éclaircir quand on cueille les radis, ça marche très très bien. Voilà, je vous montre. C'est toute cette planche là. Là, on voit bien que ça pousse très bien. Alors ici, c'est été enrichi avec un compost beaucoup plus fin. Je vais pas essayer de mettre le fumier 28 jours, je suis pas sûr que ça marche très bien là-dessus, sur ce genre de légumes. Donc j'ai pris un compost beaucoup plus vieux, classique, hein, où on laisse pourrir les épluchures, un peu de gazon, un peu de feuilles, pendant au moins une bonne année. Et comme ça, il est beaucoup plus friable, beaucoup plus fin, et les carottes ont l'air de bien s'y plaire. Et à côté, donc on a deux rangs de pommes de terre. Donc là, paillé d'un rang avec de la paille. Et l'autre côté avec un mélange de gazon et d'épines de sapin. Donc j'ai voulu tester, hein, on voit un petit peu là. On voit pas les épines, mais on voit bien le gazon. Mais elles sont bien là, les épines. On va voir la différence. Voilà, je pense que le mélange de gazon et d'épines garde beaucoup plus l'humidité que la paille. C'est beaucoup plus serré. Alors une année comme cette année où il fait très très chaud, je pense que ça peut être bien efficace. Après, voir si jamais l'année est pluvieuse, peut-être que les légumes seraient susceptibles d'attraper le mildiou. Bon, ça, à voir, quoi. En tout cas, cette année, c'est bien tombé, je pense. Et on poursuit. Alors ici, de poulet, on verra bien ce que ça donne. Là, c'est une épice que je connais pas trop. Voilà, un exemple, mais on a quelques tournesols. Alors ça, c'est des tournesols géants qui devraient normalement atteindre les 3-4 mètres en fin de saison. Ils étaient plantés un peu tardivement, on verra bien. Alors là, on arrive sur les légumes verts, on va dire, avec des rangs de haricots. Alors c'est des haricots, c'est des contendeurs ceux-là, avec des petits pieds de bourrache là, qui poussent tout seuls. Apparemment les bourdons les adorent. Voilà,
des petits pieds de pommes de terre qui poussent tout seuls. Là, je pense que c'est des oublis de l'année dernière. Autant les laisser, hein. Ça fait toujours ça en plus. Alors l'idée de la permaculture, hein, c'est bien sûr la culture étagée. Donc on y associe des petits arbustes. Là, il y a les cassis, qui permet, les groseilles, pardon, qui permettent de faire un petit peu d'ombre là à ma ciboulette. Bon, il n'y a aucun souci, on essaye de faire un maximum de rendement sur un petit espace. Voilà, l'arrière de la serre. Avec des petites salades côté replantées. Alors là, il n'y a rien de paillé pour le moment. Mais je pense que ça va vite le devenir. Je ne paille pas au début parce que les limaces ici ont tendance, quand le paillage est frais, à se précipiter dessus. Puis si elles tombent sur mes petites salades, je pense que c'est pas moi qui vais les manger. Alors ici, on arrive à une zone un peu particulière de la permaculture. J'ai fait une butte. Donc toujours en m'inspirant des principes expliqués un petit peu qu'on trouve assez facilement maintenant sur internet, qui me paraissent vraiment super intéressants. Donc ça consiste à mettre des troncs de sapin pourri tout en dessous. Alors bien sûr il faut décaisser 20 cm de terre, hein, sur 1,20 m de large avant. Mettre le bois pourri, rajouter ensuite du gazon, des épines. Et ensuite on y rajoute les 20 cm de terre fraîche, de terre végétale. Et puis j'y ai planté un peu toutes sortes de légumes. Donc là j'y ai mis en plein soleil, ce qui est le plus au sud, des fraises, qui ont l'air de bien s'y plaire. Des pommes de terre. J'avais mis ici un mélange de carottes et radis, mais les radis ont poussé tellement fort qu'ils m'ont fait beaucoup beaucoup d'ombre. Et que les carottes, là, ça n'est pas sorti terrible. Il y a un beau chou de Milan. Avec une petite guêpe qui vient boire l'eau qu'il y avait trouvée à l'intérieur. Alors ici, un beau pied de courgette ronde. Il pousse vraiment super bien. Quand on voit la différence par rapport au même pied qui pousse pas dans la butte cette fois, on voit que la butte a l'air de quand même fournir tout ce que la courgette demande. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais quand même, en plus, il y a quand même un seau quasiment de compost, compost traditionnel, un compost à froid, sur les pieds de courgettes, de choux et les courges. Donc les courges, on y arrive. Voilà, alors là, dans tout ce joyeux petit cirque, il n'y a que deux pieds de courge. Un pied de courge pomme d'or et un pied de potimarron. Plus d'une vingtaine. Assez impressionnant la différence avec les pieds qui sont plantés ailleurs que dans la butte. Alors ici il y a un pied de tomate, je peux pas vous dire c'est un quoi, je pense que c'est un tomate cerise. Mais les tomates sont encore pas formées, là, c'est seulement en fleurs. Et vu la densité des fleurs, ça doit être un pied de tomate cerise. Voilà, une petite guêpe qui vient boire un petit coup. Très très bien les guêpes, ça me mange une quantité impressionnante de mouches. Là on y trouve des poireaux. Voilà. Allez, on poursuit un peu. Là d'autres haricots, alors ceux-là sont pas plantés en bande, ils sont plantés en poquet, petit poquet de 3-4 graines. Pareil, paillis, mélange d'épines et de gazon. Alors là c'est très fin, il n'y a pas grand chose. Mais je pense que c'est parce que j'avais pas assez de gazon, je pense que je vais rapidement en remettre une bonne couche. Un joli pied de courgette jaune. Ça pousse tranquillement, mais ça pousse très bien, j'ai déjà récolté pas mal là-dessus. Alors là l'idée c'est de faire un petit tipi pour faire un peu d'ombre aux rhubarbes. Avec mes tournesols devant. Avec des hypomées géantes bleues, mais là ça pousse seulement. Elles ont eu beaucoup beaucoup de mal, les limaces s'en sont régalées. Voilà, ça c'est pour la première partie du potager. Il y en a deux autres encore. On va y faire un petit tour. Alors là ici mon petit stock d'épines.
faire mon paillage. Donc c'est vraiment l'épine de sapin quoi. J'ai été ratisser un petit peu dans les sapinières du coin pour trouver ça. Il y en a qui disaient que ça acidifie le sol, etc. Pour le moment, pas de souci en tout cas pour moi. On verra bien sur le long terme ce que ça va donner. Quoi. Allez, on poursuit, on est là sur des petits pois. Alors pareil, hein, ceux-là ils sont bien paillés parce que là, eux qui n'aiment pas du tout la sécheresse, là il y a une bonne couche. Hein. Là il y a 20 cm sans problème de paillage. Et là ça va pousser très très bien. Voilà, belle petite marguerite. C'est bien d'associer les fleurs, je pense, aux légumes, ça attire bon nombre d'insectes. Alors ici sur une zone du potager qui pousse très mal, il y a la terre qui est très très proche, très peu de terre végétale. Donc là, j'y ai mis toutes mes épluchures, du gazon, on va essayer d'engraisser un petit peu ce sol qui pousse vraiment pas génial. Voilà la preuve, avec qui sont plantés là, ils donnent vraiment pas grand chose, puisqu'ils sont attaqués par des petites bestioles noires, pas très sympathiques. Bon, c'est pas grave, on peut pas avoir des réussites à tous les étages. Ce sera pas une année terrible pour les navets, je pense. Alors, on poursuit toujours de la pomme de terre, de la courge bleue de Hongrie. Il y a de la courge galeuse aussi là-dedans, il y a deux pieds, je crois. Il y a un peu de courge galeuse. Voilà. Deux pieds d'asperges que j'ai plantés au printemps là. Ça aura l'air de... ça sort tranquillement quoi. Pareil, paillé aussi. On voit que les petites têtes là, d'asperges sortent tranquillement. Et là, peut-être que je vais vous faire un petit passage sur le bassin qui me sert pour arroser. Il faut que l'arrosage est quand même assez limité avec le paillage. Bon, ça c'est mon petit plaisir personnel, les bassins. C'est mon truc, j'adore ça. Alors il n'y a pas de poissons, mais on y trouve bon nombre d'amphibiens, des tritons, des grenouilles. Je vais essayer de vous en trouver quelques-uns. Ils sont plutôt en face dans les galets. Faire un petit tour du bassin tant qu'à faire. Alors, je vais me mettre de l'autre côté parce que là avec le soleil je pense qu'on verra pas grand chose. Voilà. Alors s'il y en a qui sont intéressés par le bassin, je pourrais peut-être faire une vidéo un peu plus longue là-dessus. Il y a pas mal de choses à dire là. Voilà, voilà. Ça donne, vu d'ensemble, ça donne ça. Voilà, j'essaye de pas me mettre en plein soleil, qu'il n'y ait pas de contre-jour. Voilà pour le bassin. Allez, on va poursuivre très rapidement avec le deuxième potager. Donc là, je pense que chez moi, on doit être à peu près à 400 mètres de potager à peu près, qui me permet d'être quasiment en autosuffisance, qu'on va dire. Il me manque peut-être 2-3 mois de l'année où j'arrive pas à me produire suffisamment de légumes, mais on y est quasiment quoi. Donc là, on est sur une partie qui est plus ombragée, plus humide. Donc voilà, on est sur une autre partie de jardin. Avec un bon rang de pommes de terre, toujours avec le compost 28 jours. L'avantage de ce compost 28 jours, c'est qu'on peut faire une grosse quantité de compost. Et même s'il ne semble pas tout à fait terminé quand on le met, ben on se rend compte que certains légumes comme les tomates ou les pommes de terre l'adorent. Voilà, ça pousse très très bien. Des framboises, deux pieds d'artichaut, des fraises.
un rang d'asperges. Là, on voit que c'est très humide là le matin. Il doit être 9h du matin, c'est encore à l'ombre. Voilà, avec la petite réserve de gazon pour pailler pour un peu plus tard. Et rang de carottes. Alors là, il n'y a pas de paillage du tout. Là, j'essaye de voir la différence un petit peu entre les carottes du dessus qui sont paillées puis celles-là qui n'y sont pas du tout. On verra bien au final ce que ça donne à la récolte. Alors là, c'est une grosse butte. Alors, il n'y a pas de bois pourri en dessous, hein. C'est uniquement de la terre et du compost. Et toujours pareil, hein, avec l'idée de mettre des courges là-dessus. Et apparemment, elles s'y plaisent vraiment beaucoup. Voilà, encore deux pieds de courge. Alors ici, c'est des courges qui ont été semées en intérieur, donc en petit godet. Je dirais mi-avril, replanté un mois plus tard. Et puis celle-ci, là, les deux pieds là, c'est des pieds qui ont été mis en pleine terre directement. Donc on voit qu'elles sont quand même beaucoup plus en retard. Ce qui ne veut pas dire que ça fera des fruits moins beaux. Hein. Mais bon, je vais essayer les deux techniques, on verra bien. Et en dessous, bah, on a des petits pieds de tomates. Là. Je pense que le seau de compost qui a été émis aura fourni quelques graines. Il y a des petites tomates qui poussent là-dessous. Donc je les laisse faire, je les tuteurerai plus tard. Voilà. Donc j'ai mis deux fruitiers ici. Alors qui ont 4-5 ans maintenant. Puis au pied, je leur ai mis quelques petits légumes. Quoi. J'ai mis des framboisiers. Voilà quoi. Bon, c'est toutes des petites idées que j'ai eues sur le site de la ferme du Bec-et-Loin en Normandie là. Ils ont vraiment des super idées. Je vous conseille vivement d'aller jeter un petit œil. Voilà. Ici aussi. Même chose. Hein. J'ai mis un peu de tout. Je regarderai ce qui pousse cette année. C'est la première année que je fais ça. Donc les résultats n'ont pas l'air mauvais. Bon, les épices ont l'air de pas trop s'y plaire quand même. Bon, on verra bien. Un dernier point du potager, je vous montre. Alors là, c'est vraiment un coin qui est mi-ombre. Alors il est au soleil le matin. Et l'après-midi passe complètement à l'ombre. Voilà, l'idée c'était de voir si quelque chose pouvait en sortir hein, de cet endroit un peu ombragé, si on est né un petit peu chaude comme cette année. Voilà, je pense que c'est un endroit qui peut être bien productif. Alors là, c'est une butte. Hein. Je vous la montre, c'est une butte, comme tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, c'était du bois de sapin. Ici là c'est du bois blanc, alors il y avait du saule et en dessous il y avait un autre bois, du peuplier, voilà. Donc j'ai pris ce que j'avais sur le terrain, les bois qu'il fallait éclaircir un petit peu, donc même chose hein, avec un peu de gazon, un peu d'épines, tout ça mélangé, recouvert de la terre végétale. J'ai mis des pommes de terre et là c'est vraiment l'endroit où les pommes de terre sont les plus imposantes au niveau feuillage. Que là-dedans, il n'y a que 6 pommes de terre. Et on a l'impression qu'il y en a une quantité astronomique. Alors là, on y trouve un chou de Milan encore. Alors celui-là n'est pas terrible. Mais celui-là, les limaces n'ont pas laissé tranquille pendant un bon moment. Il y a quelques haricots. Alors là, il y a eu un semis de quelques graines, il y a eu des navets. C'est encore pas sorti. Petit pied de tomate. Et encore des courges. L'objectif cette année, c'était de multiplier au maximum les graines de courge pour avoir un bon stock. Et puis par la suite, pouvoir faire des échanges pour récupérer d'autres graines avec des personnes qui seraient susceptibles de me les échanger. Parce que je pense que c'est aussi ça un peu l'idée de la permaculture, c'est d'arriver à une espèce d'autosuffisance. Reste à voir maintenant en septembre, qu'est-ce que ça va donner au moment de la récolte. Donc tout ça pour dire que la permaculture dans les Vosges, avec un climat un peu spécial, c'est tout à fait possible. Et je pense que les résultats sont aussi prometteurs que dans les autres régions. Donc allez-y, hein, lancez-vous, il n'y a pas de souci. Et si ça intéresse, je vous refais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça a pu donner au niveau de la récolte au mois de septembre. Allez, je vous laisse sur ces quelques images du bassin. Un endroit qui est bien apaisant. Ciao, ciao.